sont venus, ils ont chanté et ils ont applaudi. Des étudiants de l'université de Maurice rassemblés pour fêter la nation. Dans ce défilé de grands symboles de la diversité mauricienne, ils ont présenté le Motherland dans le langage des signes. À quelques jours du 12 mars, l'auditorium Octavier a vibré, mais à l'extérieur, c'était un jour comme les autres sur le campus. Et quand on pose la question sur l'appartenance à la nation, la célébration du 44e anniversaire de l'indépendance, un mot revient toujours dans les esprits, l'ethnicité, le facteur qui divise. Manorama Haken est étudiante en histoire. Oui, parce que pour moi, le nationalisme se construit. Ma culture n'est pas imperméable. Je évolue avec le temps et ben influence externe. Mais ce qui est arrivé qui, au sein de notre société mauricienne même, il y a une guerre froide, une lutte sournoise, on peut dire, du pouvoir qui, historiquement, installe une division superficielle, mais enracinée dans la société mauricienne en termes de religion, caste et classe. Nous capables de trouver ça à travers la pratique du poitonnage state, comme nomination de responsable comme para-étatique, vers l'ONU base ethnique, castéiste, ou encore quand nous cause le remake d'alliance, des rapports dans un débat dans l'introduction belge pourri et créole dans l'école, et bien agissement malsain de certains groupes socioculturels qui ont encore subventionnés. Sur ce point, rien n'a changé depuis 1992, quand le pays recherchait un nouveau souffle national avec le passage au statut de république. Et ça veut dire une république, ça veut dire nous faisons une nation laïque, sans aucune influence de la religion, de n'importe quelle région, dans l'État. Mais nous, l'État mauricien, nous encore subventionne un groupe socioculturel avec l'argent contribué. Et à Maurice, il y a aussi le fait qu'ils nous vivent dans une société de regard. Nous croyons qu'ils nous bisent un arbre, c'est qu'ils nous voisinent. Et même plus des fois. Tout le monde rôde ce bout, et ça fait qu'ils me voisins pour gagner plus que moi, donne la force d'un dirigeant, d'un groupe socioculturel. Qui, dans la majorité des cas, agissent de leur propre intérêt au lieu de la nation. Il existe cependant un moment où le Mauricien prend le dessus sur son identité communautaire. Echa Dwarka, ex-étudiante en sciences politiques à l'Université de Maurice. Et de nos jours, c'est toujours pareil. Communauté avant, religion avant, caste avant. Mais pas assez, les Mauriciens n'en disent pas compte. Quand on a le haut, ça m'a dit maintenant pour dire mon Mauricien avant. Quand il trouve un autre Mauricien, il n'est pas les mains de sa communauté, ce caste, non, c'est Mauricien. Là, je suis content pour dire nous, Mauriciens. Mais ils ne vont pas connaître ce qu'il fait ici, dans notre propre pays. Nous, par ici, arrive à énoncer un sens d'appartenance à notre pays, à nous dire nous, Mauriciens, avant tout. Alors, que faire pour déconstruire cette tendance? Que faire pour casser cette division identitaire qui arrange les politiques? Pour Jocelyn Chanlao, historien, la réponse est dans un changement constitutionnel. Nous avons un discours politique, une pratique politique extrêmement passiste, qui, au fait, peut faire énormément du tout à la nation mauricienne. Qui peut faire? Qui nous a fait aujourd'hui, 44 ans après l'indépendance, comme un camarade qui dit nous avons un sens de la Constitution, nous avons une réforme de fond, pas une réforme badine-badinée, on dit prends baisse loser, nous sommes soumis, c'est pas ça qui nous sens de la Constitution. Nous avons un sens de fond en comble la philosophie de la Constitution, nous avons un sens du système électoral. Nous avons redonné un droit essentiel qui nous manquait, et cela, le changement constitutionnel, nous avons fait avec l'ensemble de la population, avec l'ONG, avec la société civile, et non imposé des bilans. Entre-temps, sur le campus de Réduit, les jours se suivent et se ressemblent. Le 12 mars n'a été peut-être encore une fois qu'une petite parenthèse.